Le collectif des artistes pour la victoire d'Alassane Ouattara, Cave Ado, sera en campagne de sensibilisation pour un oui massif des Ivoiriens au référendum constitutionnel d'octobre 2016. Du 2 septembre au 22 octobre, ce sont au total 40 villes du pays qui vont accueillir la caravane du Cave Ado. 200 artistes sont mobilisés pour la circonstance et c'est Boisflay qui a accueilli le lancement de cette caravane. Nous avons déjà eu deux scrutins référendaires en 1960 par Félix Houphouët-Boigny et en 2000 dans le régime exceptionnel militaire avec Robert Guéï. Mais cette fois-ci, tout ce qui est conflit dans notre constitution sera épuré purement et simplement pour passer du régime législatif à un régime purement présidentiel. Ils sont plus de 200 artistes, mais par ville, nous ne pouvons en retenir qu'une vingtaine. Le lancement de cette caravane a été rendu possible grâce au président du Conseil économique et social, Charles Diby Koffi, qui a reçu les organisateurs et certains artistes au lendemain du spectacle de Boisflay. Le président du Conseil économique et social les a invités à prôner des messages de paix et de cohésion sociale durant la tournée.